Elle va sûrement nous raconter une histoire. Oh, elle se rendort. Bon, tant pis, je vais la réveiller. Tu vas voir, Barbarin. Hé, grand-mère, réveille-toi. Au feu, au voleur. Au feu. Flippant, tu m'as fait une peur terrible. Grand-mère, c'était pour rire. Oh, vraiment. Veux-tu raconter une histoire? Tiens, celle du tambour de ville. Vous nous l'aviez promis. Vieil ami, le tambour de ville vous la conterait bien mieux que moi. Et puis, il est tard, je vous la dirai demain. Oh. Bonsoir. Bonsoir, enfants. Grand-mère. Bonsoir, madame. Bonne nuit. Grand-mère, si nous allions le voir maintenant, le tambour de ville. Non, les enfants sages se couchent tôt et les méchants petits garçons qui sortent le soir font de mauvaises rencontres. Oh, je monte me coucher. Oh, quel dommage. Alors, Barbarin, qu'est-ce qu'on fait? On se couche, Guignol. Ah non, on va voir le tambour de ville. Sortir la nuit? Mais ta grand-mère l'a défendu, Guignol. Peut-être, mais ce sera tellement amusant. Allons, viens. Quelle imprudence, Guignol. T'en fais pas, viens donc. Quel froussard, tu n'es pas un homme, Barbarin. Ah, tu vas voir, allons-y. Il n'y a personne, viens vite. Voilà, voilà. Connais, toi, le tambour de ville? Non, mais nous le reconnaîtrons à son tambour. Mais il n'y a personne dans les rues à cette heure-ci, Guignol. Cherchons quand même. Tiens, un homme. Comme il est étrange. Pas de tambour, ce n'est pas notre homme. Mais il connaît peut-être le tambour de ville. Nous allons le lui demander. Oh, c'est toi qui vas le lui demander. Oh, tu sais, moi j'ai bien trop peur. Oh, je demande-lui. Peu. Moi, je n'ai pas peur. Tu vas voir, j'y vais. Hop, hop. Il a disparu. Oh, Guignol, regarde derrière toi. Où ça? Oh, quelle histoire. C'est de la magie. Bonsoir, jeunes gens. Belle soirée. Bonsoir, monsieur. Alors, on se promène et on n'a pas peur? Oh, non. Voilà, nous cherchons le tambour de Viville. Grand-mère nous a dit qu'il nous raconterait de belles histoires. Savez-vous où nous pourrions le trouver, s'il vous plaît? Non, mais moi je connais également de très belles histoires, je vous l'assure. Mais vous n'avez pas de tambour. Vous en êtes sûr? Très sûr? Oh oui? Vous voulez parler avec moi? Oui, 1 million. C'est beaucoup trop. 2 francs est assez, Barbarin. Barbarin, t'as raison. Quand on est sûr de soi, il ne faut jamais hésiter. Alors tu paries 1 million? Oui, oui. Oui, oui.
perdu. Donne ton million. Mais je ne l'ai pas ici. Alors, tu es responsable de ce million sur ta personne. Je t'emmène avec moi. Sauvons-nous. Sauf qui peut. Ah, tu croyais m'échapper. Allons, viens. Je n'ai pas de temps à perdre. Allez, housse. Je viens aussi. Je n'abandonnerai pas Barbarin. Eh bien, tant pis pour toi. Je t'emmène aussi. Vous cuirez tous les deux. Allez, on en fait. Non, vous ne m'échapperez pas. Crochet. Recrochez encore une fois. Oh, Guignol, mes jambes sont toutes molles. Oh, sauve-moi, sauve-moi. Alors bon, il faut que je le porte. Oh, ce que t'es lourd. Mon Dieu, le diable! Tant pis, j'entre ici. Les voici chez ma cousine, la fée Carabosse. Je n'ai pas le pouvoir d'entrer chez elle, mais eux n'en sortiront pas sains et saufs. Qui est là? Des étrangers! Vite, je dois me transformer en vieille femme. J'arrive. Oui. Oh, bonsoir, madame. Bonsoir. Excusez-nous. Pouvez-vous nous cacher? Le diable nous poursuit. Tenez, regardez à la fenêtre. C'est lui. Oh, quelle horreur. Certainement, mes enfants. Ici, vous êtes à l'abri. Déposez donc votre ami. Je vais lui donner une boisson réconfortante. Ouf. Oh, il est lourd. Où suis-je? En enfer? Non, c'est une brave dame qui nous a sauvés. Tiens, bois, ça te fera du bien. Voilà. Doucement. Tant mieux. Eh bien, ne perdons pas de temps. Sinon, le diable qui est encore là vous reprendrait. Par ici, mes enfants. Voici mon passage secret. Oh, c'est merveilleux. C'est un jardin enchanté. Un lion va vous arrêter et vous lui direz « Le roi, notre père, nous a donné la clé. » Alors, le lion vous laissera passer. Vous trouverez trois chemins. Prenez celui de gauche, car celui du centre conduit chez la fée Carabosse. Et maintenant, allez. Oui, oui, allez, oui, madame. Les enfants. Voilà, merci, madame. Vous avez bien compris, le chemin de gauche. Les petits idiots, ici, je ne suis rien. Mais dans le jardin, dans le chemin de gauche, c'est une toute autre histoire. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. Ah, voici les trois chemins. Nous prenons celui de droite. Barbarin, la bonne dame a dit celui de gauche. Non, non, de droite. N'est-ce pas, les enfants? Oui? Non? On ne comprend plus. Mais non, celui de gauche. N'est-ce pas, mes petits amis? C'est drôle, pourtant, j'en étais sûr. Bizarre. Bizarre. Alors, tu ne peux pas me dire que les enfants sont de ton avis. Toi non plus.
Viens par ici. Oh, le lion. Où vont ces étrangers? Oh, mon Dieu, que faut-il dire? Je ne me souviens plus. Nous voulons seulement traverser le jardin, monsieur le lion. Vous n'avez pas la clé, non? Oh, au ciel! Oh, qu'est-ce que j'ai? Ouf, je me souviens. Monsieur le lion, le roi, notre père, nous a donné la clé. Mais oui, naturellement. Alors, partez, passez. Oh, plus de lion! Il vit pour nous le chemin de droite. Non, celui de gauche. Non, regarde, la sortie du jardin est là tout droit. Prenons le chemin du centre et nous serons d'accord. Je suis roulé par ces petits imbéciles, mais je vais renvoyer le lion au bout de l'allée. Il les empêchera de sortir. Ils reviendront par ici. Et je les prendrai. Oh, que de bonbons. Quelle merveille. Tignol, des bonbons par milliers. Je dis par milliards. Oh, c'est fantastique, Barbarin. Mais nous ne pouvons pas en manger beaucoup. Il faut fuir au plus vite. Allez, en route. Oh, Gignol, quel dommage quand même qu'on ne puisse pas emmener de bonbons. Si seulement j'avais ma musette. Oh, un sac de bonbons. À moi. Non. Je les tiens. Oh. Oh, Gignol, j'avais bien plus que toi. Oui, mais les miens sont meilleurs, Barbarin. Toi, penses-tu? Dépêchons-nous maintenant. Barbarin, voici la porte du jardin. Oui, nous y filons. Pourvu qu'elle s'ouvre. Attends, on ne passe pas. Au ciel de Dieu, le roi nous a donné la clé. Je m'en moque. Pour entrer, d'accord, mais impossible pour sortir. N'essayez pas, sinon je vous dévore. Qu'avez-vous dans ces sacs? Ce sont des bonbons. Quels bonbons? Des bonbons du chemin du milieu. De bonbons du chemin du milieu. Depuis des siècles, je vois ces bonbons sans pouvoir en manger un seul. Monsieur le lion, en voulez-vous? Je les veux tous. Vite, Barbarin, donne-lui tes bonbons. Pourquoi pas les tiens? Allez, vite, nous pourrons nous sauver après. Oh, ces bonbons. Oh, ciel, ce doit être la fée Carabosse. Cachons-nous. Ah, je t'y prends. Tu manges la consigne. Non, madame la fée, ce sont simplement des bonbons. Pitié, madame, pitié. Je recommencerai plus. Aucun danger que tu recommences. Par le diable, mon cousin, tu as changé en pierre. Ah, te voilà puni. Maintenant, où sont passés ces deux garnements? Tiens, mais ce sont des bonbons. Ah ah, à moi les bonbons. Reste là. Barbarin, j'ai sa baguette, on va rire. Oh oui. Par le diable, son cousin, que la méchante fée reçoive une volée de coups de balai. Si on l'a changé en pierre. Qu'en pensez-vous, les petits amis? On la change en pierre? Alors, on y va? Oui? Allons-y. Eh bien, d'accord. Avec la baguette magique, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est rudement pratique.
par le diable, son cousin, qu'elle soit changée en pierre. Bravo! La voilà punie à son tour, la méchante fée Carabosse. Cette fois, pilon. Et n'oublie pas les bonbons. Oh, ça porte danger. Ouf! Nous l'avons échappé belle. Mais nous n'avons toujours pas trouvé le tambour de ville. Qui parle du tambour de ville? Me voici! Ah! Enfin, monsieur le tambour de ville. La grand-mère de Guignol nous a dit que vous connaissiez de belles histoires. Très exact. Et je vais vous en conter une fort belle. Il était une fois... Ciel! Le diable! Sauvons-nous! Vous ne l'échapperez plus! Cette fois... Transformons-le en pierre. Par le diable! Je dois transformer en pierre! Rien à faire, le diable, c'est moi! Allez, allez, en enfer! Fuyons, fuyons! Par ici. Non, par là! Oh, ah, ah, très bien! Ah! Ces petits brigands, les enfants. Tant pis, tant pis, tant pis, je ferai mieux la prochaine fois. Voici la maison de grand-mère. Fouillez vite, rentrons. Où sont passés ces méchants enfants? Ils sont encore sortis sans permission. Ils vont faire connaissance avec le calme. Ah, vous voilà. D'où venez-vous? De chez la fée Carabosse, grand-mère. Et nous avons échappé au diable par miracle. Que racontez-vous là? C'est vrai, madame. Nous avons eu bien peur. N'est-ce pas, les enfants? C'était assez désobéissant. Mais la prochaine fois, le diable ne vous laissera pas échapper. Vous pouvez m'en croire. Mais la prochaine fois, nous ne désobéirons plus, grand-mère. Faut-il les croire, mes enfants? Viens, 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 viens. Mais ne recommencez plus. Oh non, grand-mère. Oh non, alors. Maintenant, je puis dormir tranquillement. Bonne nuit. Bonne nuit, grand-mère. Bonne nuit. Ouf. Eh bien, on a eu de la chance. Quelle histoire, mes amis. On a quand même bien ri.